Devant ses partenaires institutionnels, le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, décline la typologie des besoins de ces zones d'intervention. 10 régions concernées, 18 844 cas satisfaire pour rentrer dans la dynamique du référentiel économique national. Ces actions sont les besoins prioritaires exprimés par les gouverneurs de région pour ces zones frontalières. Selon la typologie de ces besoins que nous avons laissés, nous en avons 223. Donc qui vont pour la santé, de la case de santé, la dotation d'ambulance, l'équipement de maternité, etc. Jusqu'aux activités générales de revenus, jusqu'à la création ou la mise en place donc d'infrastructures de sécurité frontalière. Cet atelier qui va durer 2 jours est avant tout une rencontre de partage visant une bonne rationalisation du programme. Il s'agit justement donc de rationaliser le programme, de voir dans quelle mesure on devrait pouvoir aussi mutualiser les interventions. Ce sont tous des services qui travaillent pour l'État du Sénégal. Il ne peut pas y avoir donc de duplication ou de redondance d'action sur ce terrain. La prise en charge des préoccupations des populations vivant dans des zones frontalières est une question de souveraineté. Le chef d'état-major particulier du chef de l'État, par ailleurs président du comité de pilotage du projet, a réitéré l'ambition du gouvernement à lutter contre les inégalités territoriales en matière de développement. Il ne sera plus question au terme en fait de ce programme que pour appeler un concitoyen que nous passions par le réseau en fait téléphonique d'un autre pays. Il ne s'agira plus en fait pour un de nos concitoyens aux frontières pour venir à l'intérieur du pays de faire le détour, n'est-ce pas, par notre pays. C'est un programme d'urgence. Mesdames, Messieurs, notre engagement est ici requis parce que la demande, elle est pressante. La présentation de la matrice des actions prioritaires a révélé un besoin financier estimé à 594 milliards de francs CFA. Pour le moment, l'État est seul dans le dispositif de financement en attendant l'arrivée des partenaires.